Bonne chance, bonne chance. Let's go. Oh, j'ai déjà cassé le moteur. Ah, ça y est, c'est fini. Left side. Clear left. C'est incroyable ça. Je vais essayer de... Mais dès qu'il y aura une montée, je vais jamais pouvoir... C'est l'embrayage. L'embrayage, il a fumé. Il y a un bug certainement avec l'embrayage manuel. Ah ouais. Il y a quelque chose qui va pas avec l'embrayage manuel. Parce que moi, je n'ai pas de témoin de moteur. Même quand... À mon avis, c'est ça qu'il y a. C'est un bug avec l'embrayage. C'est un bug avec l'embrayage. Ouais, ça peut être que ça parce que j'ai demandé au gars en haut et il y en avait un qui avait un setup avec le radiateur fermé à fond. Il me dit c'est bizarre ce que tu dis. Parce que je n'ai aucun doute que le moteur est sollicité, quoi. Donc c'est l'embrayage. C'est pas possible. Car left. Clear left. Left side. Still there. Clear left. Ah putain, ça fait somme quoi. De quoi tu sais avancer un petit peu? Ah ouais, j'avance un peu. Ça allait au vite. Ouais. Non, faut pas trop, il patine à mort quoi l'embrayage. C'est dingue, c'est dingue. Bon, je vais demander. Ok, c'est expliqué. Je vais pas faire changer les pneus, hein. Oui. Ah, mais on peut même pas dire. Je peux même pas lui dire ne me change pas les pneus, quoi. Ça aussi, c'est un bug, hein. C'est pas normal non plus. Tu sais, en fait, je peux faire stratégie, mais je peux pas lui dire non, change pas les pneus, quoi. Donc, ça aussi, parce que tu te souviens avant, vous pouvez modifier. Ah, aucun, si, c'est bon, j'ai fait aucun. Faut que j'insiste, sinon j'arriverai pas à rejoindre les stands. Ouais, pas de stand. Oh là, dès que j'accélère, ça fout. Je suis à 220 km/h, ça va, hein. C'est la première fois que j'arrive à... Non, c'est pas normal, et en plus, ouais, il y a un gros bug, parce que moi je suis avec l'embrayage manuel, il y en a pas beaucoup hein, qui jouent à l'embrayage manuel. À mon avis, ça peut être que ça. Parce que maintenant, je fais le test, je pousse à fond la vitesse. Pour voir, normalement, t'es censé avoir l'icône dégâts moteurs. Hein. Tu sais, quand tu vas dans trop dans l'air. Y a rien du tout. Je vais au rupteur, là, je reste rupteur, j'ai rien. Ouais, non, c'est pas normal. Non, c'est l'embrayage. Donc, il est activé toujours, en fait, le dégât de l'embrayage. Oui. Là devant, ça roule, ils roulent fort, hein, les gars. Là, ils sont en file indienne. Moi, je vais pas faire le pari de les suivre. Je n'ai pas pu démarrer. T'es encore au pit? Non, bah, j'en suis loin des pits. Hein. Ah, t'es obligé de faire ton tour entier. Ah, bah oui, t'as vu où c'est que c'était le. Marc,
Ça me permet de voir le paysage. Voilà, Dawn of Life sans embrayage, voilà, t'as le titre. Sans déconner, je suis dégoûté quoi. Je vais le désactiver, hein, l'embrayage, je vais le désactiver, hein, parce que ça bug trop sur l'automobiliste. Hein. Fait, problème. Ça fait la première fois, la troisième fois que ça me fait. Facilement trois fois ouais. Que ça t'arrive hors session aussi, live. Ouais. Les gars dans le chat, ça vous dérange pas, on va pas jouer la gagne hein, du coup. Oh, on va ouais, se alors tu vois ce qu'il dit, parce que moi j'ai pas le temps de te regarder, Gabi, il dit pourtant tu as le moteur à zéro dégâts. Tu vois, c'est donc c'est l'embrayage alors. Typiquement ce genre de choses qui les ont empêchés de rejoindre LFM. C'est fou. Et les gens vont setuper pour aller au maximum des capacités de la voiture. Si il y a de l'incohérence mécanique, oui, c'est pas gérable. Hein. Non, puis tu vois, tu pourrais dire c'est peut-être un problème de mon embrayage. Mais par exemple, quand je suis sur R Factor, ça me l'a jamais fait. Hein. Ah non, c'est ça. Pourtant, je démarre pareil. Hein. Puis là, quand je vais aller au pit que je vais faire réparer, bah, ça va redémarrer nickel. Ah oui, mais j'espère que ça va pas. Allez, je veux dire par là, c'est que le bug va pas persister. Quoique ouais. Les cailloux sont bien passés, c'est ça qui est fou. En fait. Donc c'est le départ arrêté en fait. Ouais, ah oui, c'est ça, oui, parce qu'après je m'en sers plus. Hein. Et là, quand tu étais au practice, ton souci de moteur c'était aussi en départ. Oui. C'était pas quand tu voulais quoi. Non, jamais. Bah voilà, ah, bah, alors c'est l'embrayage. Ok. Putain, qu'est-ce que c'est long. Je me doute. Je vais arriver à la bosse, là, tu sais, grande descente avec la bosse. Ils vont prendre un coup, c'est sûr. Ah, c'est clair. Putain, j'en rattrape un, t'y crois, toi? Un autre qui a mis l'embrayage. Tu m'étonnes, Kewan, je suis un peu seul au monde. On me dit Kewan se promène en forêt. Putain, petit pousset qui se promène en forêt, quoi. On va le croiser au dire ça, bah ça va aller, t'inquiète pas. Allez, 240 km/h. Clio quoi. Oui c'est ça, un pont de chevaux ouais même. Oh putain. Ah bon ils sont bourrés au codage tu vois. Ouais. Ils ont mis dans un embrayage, je sais pas. Ils cassent tout de suite quoi le machin. Ouais. Your speed.
Watch your speed, ouais, ouais, bien sûr, ouais. C'est ça. Encore trop ta drive through, tu vois. Dimitri, il est à l'arrêt aussi. Il a dû taper. Dimitri Vetek ? Ouais, il était très... Ah bah, il a quitté, je pense. Il a part démarré. Ah bah oui. Bon, les gars, vous me changez ça bien, hein ? Qu'on soit pas emmerdé. C'est bon, il est revenu. Toi, il est revenu, l'embrayage. C'est bon. Bon, bah, je redémarre en même temps que Dimitri. Dimitri était devant moi, je crois, au calife, non ? Oui, je pense, oui. Allez, on est parti, les gars. Un petit changement de temps, ça y est. Sympathique. Par contre, moi, faut que je fasse gaffe parce que tous mes pneus, c'est tout froid. Ah oui. Ils sont encore vert clair là, ça me fait peur. Déjà ils chauffent pas beaucoup, hein. Aussi. Ouais. Tu sais, t'as un drapeau bleu, tu laisses passer tu à gauche. Tu laisses passer, ouais, carrément. The gap to Dimitri with head is now 0.4 seconds. Ouais.
Dimitri, c'est marrant parce qu'il a la même couleur de bagnole que moi. C'est cool, toi. Ah oui, ton livret, tu veux dire? Ouais, ouais. Mais non, je les ai pas remis, hein, mes livrets. Ok. Ça va être chouette parce que là on tu sais, on est vraiment pas très loin, donc ça c'est beau quoi. Ah, c'est joli. Ah, il a déjà fait un quart d'heure de course, ça va vite, hein. Ça y revient. Allez, c'est parti, je l'ai doublé. On est parti pour une remontada avec tout le monde. Plus que 20 pilotes. Combien il reste de... 26 minutes, c'est ça? 26 minutes. Ok, on a démarré à 45 minutes. Hein. Tout à fait, ouais. On avait dit 7 tours. 7 tours, plus ou moins, ouais. L'enfer vert. Pas pour rien. Allez, température de chute là. Ouais, ça commence à chuter, ouais. Et je la perds. Et c'est bien fait pour moi. Ouais, les gens commencent à la perdre. Donc, c'est vraiment les températures qui chutent. Oh là 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 là. J'ai pas appuyé sur l'embrayage, hein. Pour redémarrer parce que...
Et un petit tour en troisième. J'ai perdu au freinage. Ouais. Là, ça commence à glisser. Ah, et puis il y a. Parce que là, il y a le brouillard. C'est pour ça que ça glisse. Il y a l'usure du circuit aussi. Hein. Ouais. Il y a le live track. Commence à adapter la conduite. Putain, y en a un autre là qui s'était mis en l'air aussi. Je l'ai perdu sur le circuit, hein, sur le circuit, pas sur la partie Nordschleife, sur l'orme, hein, je l'ai perdu. Putain, le brouillard là, ça coupe au couteau. C'est chouette en tout cas, hein, là, le temps dynamique comme ça. Ça pourrait être une réelle session, ça devrait se passer comme ça en principe. Bon, moi j'ai déjà fait mon arrière, du coup. Ah oui, toi t'es fait, ouais. Mais bon, avec le. La partie où je suis allé à 2 km/h. Alors là, vraiment, tu feras gaffe hein, dans la partie. Nordschleife, ça y est, la visibilité elle tombe. Ça a chuté. Ouais, ouais, là il fait sombre maintenant, vraiment très très sombre. Sombre plus le brouillard. On s'y croirait vraiment quoi. Ouais, c'est beau de beau. T'as vu que ça glisse hein? Ah ouais, ouais, là je suis sorti gentiment, mais je suis sorti quoi. Moi c'est au freinage hein, que toi là j'aurais un ABS, je le mettrais. Hein. C'est bizarre qu'on puisse pas le régler hein, sur ces GTE. C'est que je comprends pas non plus. Ah oui.
ça va être cool, là, ça va être chouette. Hein. Allez, pas sans lui. Et tout. Ouais, t'as vraiment l'impression d'être dans ta petite course comme ça du week-end, tu vois. Oui, carrément. Et le brouillard de nuit, c'est énorme. Il fait en sorte, tu sais, que le brouillard arrive à tomber de nuit. Ah ouais, troisième variante de temps. Et puis après, un temps clair, pas de nuit, pas brouillard. D'accord. Qui est vachement plus loin, il est carrément au bout de ligne droite, et Benetton qui est au milieu de ligne droite, il envoie ses feux avant mais plus ses feux arrière. The gap to Dimitri, ahead is now 9.1 seconds. T'es attentif parce que c'est la right. Moi c'est la partie nerf là qui me fait peur. Là je vais la reprendre là. 10th position. That's your fastest lap. The track temperature is decreasing. It's now 5 Celsius. Parce que quand tu la perds sur la partie nerf, t'as l'air con en fait. Sans déconner quoi. La partie là, on va dire tranquille quoi. Merci, merci, il y en a qui nous disent très joli en VR, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, les gars, comme d'habitude. Salut mon Christophe. Bienvenue sur le live. Hein. C'est là où je l'ai perdu tout à l'heure, là. Faut vraiment que je fasse gaffe maintenant. Putain, ouais, ça glisse, là. Oh là là. Ça va être compliqué là, parce que là il y a encore le brouillard. Ouais, on a dépassé le mid-race là. Ouais, 16 minutes. Allez, je suis en train de remonter là. Slow car ahead. We're on the same lap, so they'll get no blue flag. Je remonte sur Alex. C'est pas vrai? Non, non, mais c'est pas vrai. Sur Alex. Je remonte pas sur Alex Bay Racing. Ça
très bien, mais passer, c'est que je suis plus rapide. C'est cool. J'adore quand l'ambiance, tu sais, de nuit, quand ça se pose comme ça, là. J'adore ça, quoi. Mais tu sais, faudra qu'on... Je pense qu'il faudrait qu'on se fasse 2 heures. 2 heures sur le Nordschleife, ça devrait être cool. Un week-end, alors. Ouais. Oui, pas en semaine pour toi, c'est sûr. Ça a piqué. Ça a piqué. Non, c'est clair, c'est intéressant, les sessions longues comme ça. Bon, tu sais, je me plains que j'arrive pas à avoir les 90 suivant le réglage que je fais. Mais il est quand même beaucoup plus beau que Air Factor, hein. Il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Bah, et puis graphiquement, c'est une tuerie, ah hein, même à l'écran. Ah oui, bah oui. Se rapprocher de Dimitri. Et j'entends le moteur de la Mercedes. Ah, il fait un bruit. Super hein. Loin. Ah, ouais. Super loin, quoi. Ah, tu sens le V8 hein, là-dessus. Hein. C'est un V8 hein, sur la mer, quoi. Ouais, je pense. Ah, ouais. En même temps, 1, 2, 3, c'est cool ça. Ah ouais. Dépêchez-vous. Marque le Fédéon. Ça va que on le connaît par cœur hein, ce circuit. Voilà, on est là. Maintenant, on est en temps clair et bien nuit. Ah, voilà. Allez, encore 10 minutes de course. C'est un peu court. On aurait aimé que ce soit plus long, tellement qu'on prend plaisir. C'est vite passé, franchement.
une heure là. Du coup. Oh putain. Christophe, il me dit je pense que le Reverb G2 va être au pied du sapin en voyant ça. C'est une bonne vidéo, tu sais, pour montrer aux gens, pour l'offrir, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment un pur bonheur. Putain, elle va moins vite que la voiture. 287, là. Slow car ahead. This is good position, so don't expect a blue flag. Allez, je passe en 12e position. Bah, dis donc, j'en reviens de loin. Hein. Non, c'est sympa aussi de démarrer, tu sais, à la fin. C'est chouette aussi, ouais. V9, track temperature's rising. It's now 10. Je suis P9 maintenant. Parce qu'il y en a qui pitent. Ça crache, c'est pas grave. Il faut que j'essaye d'aller chercher, c'est maintenant ou jamais de toute façon. Regardez comme c'est beau, c'est tout allumé, toutes les tentes, tous les gradins là. GTA quand même. Ah, quel bruit. Ah, le bruit de la Porsche, il est exceptionnel, hein, moi je trouve. L'autre fois, j'ai vu un live d'une vraie session, tu vois, avec celle-là, hein, c'est réel. C'est vraiment ce bruit-là. Hein. Oui, ouais, 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 bah, moi aussi, j'ai vu ça. Ouais, ouais. Et après, là, ouais, c'est incroyable. Ça chante, ça chante. Ça fait un peu penser au moteur en moins. Un peu moins, mais tu sais, au V10 de Formule. C'est ça, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de crash, hein, finalement. 2-3, mais c'est sorti gentil, tu vois. Enfin, Dimitri, il a dû bien taper, hein, parce que je l'ai vu vers la rambarde. Okay, c'est bon, tu tapes quand même sur ce circuit. C'est que j'ai devant moi une GTE. Allez, on va aller chercher. Est-ce que les phares se détachent bien? Putain, je vois le gars de devant qui allume la forêt. Incroyable.
il est sorti du 5ème. Ah, le pauvre, il est mal en plus. Ah ouais. Il l'a défoncé un peu la caisse ou pas? Bah, il est en travers, donc il a attendu qu'on passe quand même. Putain, je m'en suis pris un pare-choc, il y en a un qui a perdu le pare-choc. Il y a la flaque. Gilou qui était en travers a arrêté. Avec la BM. Ouais. Putain, il y a un pare-choc encore qui a volé là. Allez, je m'en suis fait deux. Là, je suis 10 maintenant. Ah, GG, c'est cool pour ça. Ah, c'est quand je rentre dans les 10. Ah, je vois le 17ème. Ah, il tape contre les murs. Ah, il a un petit souci, il a plus de phare, je pense. Ah, putain, le pauvre, il a plus de phare. Oh, la galère, oh, la galère. C'est le multi maintenant, et je pense qu'ils ont des problèmes serveur pour ils n'arrivent pas à se développer en fait en compétitif. C'est d'ailleurs pour ça que LFM, low fuel motors, il n'a pas pu s'y mettre. Parce que sinon, avec Alex, on aurait été quand même On aurait été bien. Bien compétitif, je pense. Ah oui, je pense que même aurait été vraiment dedans déjà, un grand pied dedans. Il y a la lune qui se lève. Putain, je vais pouvoir gratter une place, je crois. Parce qu'il y en a bien. Qui pitent. Ok, Cap, you've got half fuel left. Oh, bon, écoute, ça va. 7th position, last lap. Je suis 7. Attention, on va la ralentir ici. Position 9 et 7ème de la classe. Ça va, je m'en sors bien. Écoute, c'est passé crème le temps par 25 hein, pour la VR. Salut Jean-François, comment vas-tu? Alors Jean-François, tu ne devineras pas ce que j'ai fait au démarrage. J'ai fumé l'embrayage. Ça fait que j'ai fait tout un tour à maxi 220 km/h. Mais bon, j'ai quand même réussi à remonter. Donc on était 22 concurrents, je crois. On était combien, Alex? Bah, 26 concurrents, donc évidemment, il y en a plein qui ont abandonné et qui ont fait des crashs. Et du coup, je suis à la 9ème place. J'ai remonté, c'était c'est une belle course, hein, du coup.
Ah, plaisir. Vraiment plaisir, ouais. De toute façon, c'était le maître mot hein, ce soir. Bon, évidemment, vous nous connaissez. On se la donne. Ah oui. C'est ça le plus important. Plus 21 secondes devant. Il y a peut-être moyen que j'aille le chercher, c'est une GT3 en plus. Magnifique, hein, la session de nuit, franchement, on n'en voit pas assez souvent hein, des sessions de nuit. Non, comme ça, non. Nous, on reste dans ce qu'on. Faut qu'il fasse beau, sec. Température de piste derrière. Mais c'est ce qu'on disait, hein, c'est ça la force d'un pilote, de pouvoir s'adapter. Pour l'apprentissage, c'est cool aussi. De pousser pour attraper le quatrième, pas évident. Qu'est-ce que t'en penses, Dominique ? Ça le fait quand même. Bonjour François. Tu vois la poisse, hein, péter l'embrayage, mais et du coup je vais le désactiver hein, dans MS l'embrayage manuel parce que à chaque fois ça me joue des tours. Hein. Bon du coup j'ai eu un peu moins la pression pour la course. Oui du coup t'es relax. Tu relaxes. Différence entre un Quest 2 et un HP Reverb G2, déjà en termes de contraste, les noirs sont beaucoup plus profonds sur l'HP Reverb G2. Et ça rajoute à l'immersion. Pas leur genre. Et carburant, je pense que c'est celui-là qui avait la. Pas qui sait, mais ouais, il a l'air de faire des beaux chronos. Yeah, c'est marrant parce qu'on voit que les phares de la BM qui étaient accidentés dans la partie hyper rapide. Ah, c'est passé. T'as fait une erreur. T'es combien alors? Là, je suis P4. Bien joué Alex. Il faut réussir à la tenir jusqu'à la fin. C'est trop parfois. Ouais bah oui. T'es tellement comme the Razor Age sur le fil du rasoir que t'es pas à l'abri de faire une grosse erreur. Ah oui, tout le monde t'accélère. Voilà, je t'en dis à 90% là, ouais, 80. Quand même un peu moins, tu vois, je fais vraiment gaffe. La dernière ligne droite, hop. Ok. Là, Jeffrey va gagner. Et là, 3 secondes des deux. Bien joué. Et là, croisé au pit en plus, donc c'était pas gagné finalement. Bah oui, oui. Et une logique de stratégie, c'est bien.
tu es dans ton dernier tour là du coup toi. Ouais, là c'est bon. Là derrière il y a Kem qui est là. Mais il va essayer Kem. Ah ça va, oh, je les ai là, tous les concurrents que j'ai doublé. Ah je l'ai perdu. Oh, non. J'ai tapé le mur, il a pu me couler. Mais j'ai allé, c'est la course. ACDC, ben ouais, tu vois, c'est un bel album, ça, c'est clair. Oui, alors le Nordschleife, faut vraiment le connaître par cœur. Je ne sais plus combien il y a de virages. Jean-François, tu peux nous dire combien il y a de virages sur le Nordschleife? Je crois que c'est impeccable. Hein. C'est pas impeccable, c'est très très dur à retenir tous les virages, tellement qu'il y en a. Mais bon, ça se fait. Hein. Ça se fait. Et on va terminer. Regardez cette brochette là. Cette brochette de vainqueur. C'était énorme. Hein. C'était vraiment énorme. Soixante-treize virages. Putain, tu comprends un peu ?